Vous ne pouvez pas bien crier. Les gens vont m'entendre. C'est qui le poncho? Ce sont des enfants responsables. Le agent là, c'est comme du sable. Il y a mille péris. Wally seulement, ils sont beaucoup hauts. Quand ils arrivent, on baisse le tapis rouge. Et à côté de la fille, quittez haut, quittez haut. Pardonnez, quittez sur la route. On fait les mains, ben nanana. Et ces garçons qui arrivent. Jean-Stéphane Akichi, je dis quittez haut. Bonne tête de mer. Bonne fête à tous les mamans, à toutes les mères, à toutes les femmes. Bonne fête des mères, à toutes les femmes, à toutes les mamans du monde entier. Je suis Naza de la famille RHDP. Je vous dis bonjour, bon dimanche et bon fin de week-end à tout le monde dans la paix, la gloire et puis longévité. Que le début de semaine soit agréable dans l'ensemble. Bonne fête, longue vie à toutes les mamans du monde entier. À maman Dominique, à ma mère via sa position, à mes sœurs, à mes tantes, à mes followers, aux femmes qui seront là aujourd'hui. Je vous souhaite longue vie et la paix dans tous les foyers, la paix sur tous nos enfants dans tous nos pays. Bonjour à Alessandre Aoussou, bonne fête à vous aussi, et puis aventurier, bonsoir, et Mamadou, et Mamadou Diakité, bonsoir, bonne fête à tout le monde, bonne fête à tous ceux qui sont des mères, et même celles qui n'ont pas pu encore procréer, que Dieu vous bénisse cette année avec des grossesses, des jumelles, jumeaux, triplés, beaucoup, beaucoup d'enfants dans nos foyers, beaucoup d'enfants dans notre vie, beaucoup d'enfants dans notre pays, parce qu'on nous dit l'avenir d'un pays, d'une nation, c'est la jeunesse. Que Dieu bénisse nos enfants, nos frères, nos sœurs. Longue vie à suivre, paix et joie dans notre vie. Et que Dieu nous protège des griffes du mal. Excellent dimanche encore. Donc, ce soir, nous allons un peu écouter encore les mêmes choses. Hein, parce que vos avis comptent aussi. Les mêmes choses aussi. Le rejet de la candidature de comme on dit, l'enregistrement de Gbagbo, Monsieur Laurent Gbagbo. Bonne santé à lui, parce que nous avons constaté que il a eu ses 78 ans le 31 mai, et nous avons vu ses partisans et ses militants fêter sans lui, ce qui veut dire que vraiment, ça ne va pas. Mais nous ne sommes pas des démons au RHDP pour souhaiter le malheur à son prochain. Nous lui souhaitons prompt rétablissement à lui, qu'il nous revienne en bonne santé, parce que c'est vivant et en bonne santé qu'on peut lutter le fauteuil présidentiel. Donc nous lui souhaitons beaucoup de santé et puis que Dieu le
protège et Dieu nous protège aussi, nous tous. Donc, juste venir, parce que je sais que ces gens-là, ils sont là. Ils sont dans la manipulation. Ils savent très bien que ça ne va pas chez Babo. Mais comment camoufler tout ce mal? Ils veulent nous faire tourner en bourrique. Or, tout le monde aujourd'hui a sa tête sur les épaules. Nous savons très bien que ça ne va pas. Mais ils sont là. C'est le papy qui ne va pas bien, là, qu'ils veulent positionner coûte que coûte. Or, il le sait très bien que depuis 2020, ce monsieur n'est pas sur la liste électorale. Mais comme ils aiment diviser pour régner. Et là, aujourd'hui, nous, les enfants conscients, nous, les femmes conscientes, nous, ce peuple consciencieux, cette jeunesse consciente, nous n'allons pas nous laisser berner par les idioties de l'opposition. Ces panafricains aujourd'hui à la reconquête de tout, je ne sais pas, du mal de l'Afrique, nous allons vaincre ce mal, ce démon qui veut s'abattre sur toute l'Afrique, surtout l'Afrique francophone. Nous allons les prendre par les cornes. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous allons rester soudés, mobilisés, concentrés pour vaincre ce mal. D'accord? Ensemble, nous allons avancer. C'est qu'ensemble que nous pouvons être forts. Donc, ce n'est pas une histoire de choses déchues de la liste électorale que nous allons essayer de faire des soulèvements, que nous allons essayer de faire des insurrections, que nous allons essayer de perturber la quiétude des Ivoiriens. Non, nous avons assez perdu. Nous avons assez perdu. Nous avons assez perdu et du temps, de notre énergie, de notre vie. Maintenant, l'heure est au travail, l'heure est au développement, l'heure est à choses, comme on dit, au vivre ensemble et l'heure est à avancer ensemble. La personne qui ne veut pas avancer avec ce navire, il se met à côté. On ne force personne. Nous ne forçons personne à aller contre son gré dans le bateau de l'émergence. Merci à tout le monde. Merci encore. Et Ouattara Bakari, bonsoir à vous. Traoré Souleymane, bonsoir à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde encore longue vie. Et puis tout ce qui est bon dans la vie. Que Dieu nous accorde encore tout. Et que Dieu protège ce président, le Nakama, des Nakama. Parce qu'on dit la répétition est pédagogique, on ne va plus trop tourner sur les mêmes choses, sinon que ce qui a été dit. On va voir déjà. C'est les mêmes choses, hein, mais souvent, il faut souvent faire retenir les mêmes choses. Bien sûr, ce sont des accusations fortes, mais les arguments qui soutiennent cette accusation sont les suivantes, sont les suivants. Fraude sur la liste électorale, parce qu'on a constaté certainement que il y a des personnes qui ne méritaient pas d'être sur la liste électorale, d'où la fraude. Et puis ensuite, le délit d'initié. Voilà les deux arguments qui sous-tendent un peu leur action. Pour ce qui est du premier argument, la fraude, il faut rapporter la preuve de la fraude. Vous savez, lorsque nous avons organisé la révision de la liste électorale, elle comprend trois étapes. La première est celle de collecter les données des personnes qui désirent s'inscrire sur la liste électorale. La deuxième, elle est relative au traitement des données recueillies. Et la troisième, la production des documents électoraux. Et le traitement permet d'expurger la liste de toutes les irrégularités. Nous le faisons de bonne foi. Et lorsque nous finissons de traiter la liste électorale, nous l'affichons. Mais avant de l'afficher, nous prenons soin d'en donner copie aux partis politiques. À l'effet pour ceux-ci, examiner cette liste et d'y déceler, bien entendu, les irrégularités qui peuvent y être. Ce sont ces irrégularités qui sont mises en avant par le porte-parole de l'opposition qu'on a. Et c'est pour cette raison que le contentieux a lieu. Il ne s'agit pas de venir faire un point de presse
pour dire qu'il y a des irrégularités. Il faut les porter à la connaissance de la commission électorale indépendante pour que celle-ci vérifie si ces irrégularités sont avérées pour les enlever de la liste électorale. La démarche n'a pas été faite. Mais non, jusqu'à preuve du contraire, il y a certaines personnes, par civisme, l'ont fait. Nous avons eu un monsieur qui a saisi la commission électorale indépendante à l'effet de sortir de la liste électorale tous ses parents décédés, en nous donnant la liste de tous ses parents qui sont décédés avec leur numéro de carte d'électeur. À Dabou, par exemple, le président du conseil régional, par le biais d'un de ses collaborateurs, a saisi la commission locale pour demander qu'on sorte de cette liste des personnes que lui considère comme étant des étrangers. Nous sommes en train d'examiner. Alors si vous avez constaté qu'il y a des mineurs qui sont sur la liste électorale, à Cuibli, mais il faut saisir la commission locale de Cuibli pour que celle-ci enlève cet enfant de la liste électorale. Et c'est tout le sens de la remise de la liste électorale aux partis politiques. Figurez-vous, monsieur Derasouba, le code électoral prescrit que la liste électorale est remise aux partis politiques à leurs frais. Mais nous, nous l'avons fait à nos frais. Parce que nous voulons que cette liste soit transparente, permettant ainsi aux partis politiques de jouer leur partition. Mais ce n'est pas une œuvre de la commission électorale seule. C'est une œuvre de tout le monde. Voilà pourquoi le code électoral prescrit que tout électeur, c'est-à-dire toute personne inscrite sur la liste électorale, peut demander l'inscription d'un citoyen sur la liste électorale, ou demander sa radiation, ou demander une rectification. Donc il ne s'agit pas de venir faire un point de presse pour brandir des irrégularités, mais c'est tous les faits de la remise de la liste électorale à ces partis politiques. Nous les attendons. C'est tout le sens du contentieux. Vous les attendez, la révision est terminée depuis mardi. Eh bien voilà. Président, oui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'opposition qui s'est réunie en conférence de presse le mercredi n'avait pas, au moment où il faisait la conférence de presse, 24 heures après la clôture de la révision du contentieux, n'avait déposé aucun document, aucun recours pour attester que tout ce qu'il disait, les fraudes dont il parle sur les mineurs, les étrangers, des personnes qui n'ont ni de père, ni de mère, tout ça, il ne fait aucun recours à votre connaissance, au moins il faisait la conférence de presse. Non, moi je ne peux pas le savoir. Mais quand ils viennent dire, dans un point de presse, qu'ils ont constaté des irrégularités, qu'ils disent en même temps que nous avons saisi la commission électorale à cet effet et que voilà le comportement de la commission électorale. C'est ça. Mais il ne suffit pas de venir dire. Parce que nous, quand vous êtes réclamant, nous on ne demande pas qui vous êtes. Vous êtes de quel parti politique? Nous recevons votre réclamation, nous l'examinons à l'aune de la loi et puis nous en tirons les conséquences. C'est comme ça que ça se fait. Nous ne savons pas si c'est le RHDP qui a déposé, si c'est EDS qui a déposé, ou si c'est le PDCI qui a déposé nos réclamations. Parce que c'est pas ce que la loi demande. La loi demande, la seule condition que la loi impose, c'est d'être électeur, c'est-à-dire d'être inscrit sur la liste électorale. Vous pouvez le faire. Donc, quand ils viennent dire qu'ils ont constaté des irrégularités sur la liste électorale, mais qu'ils disent en même temps que fort de cela, nous avons saisi la commission électorale locale. Et voilà ce que la commission électorale a dit. Mais ils ne disent pas cela. Ils ne disent même pas qu'ils ont saisi la commission électorale. Ils brandissent des irrégularités. Mais le législateur est conscient de ces irrégularités. Voilà pourquoi il ouvre droit au contentieux. Sinon, le contentieux n'a pas son sens. Je vous ai déjà dit que la liste électorale fait l'objet de 5 filtres. D'abord, à l'occasion de l'enrôlement. Quand vous arrivez dans notre guichet, il y a un agent qui vous pose la question de savoir, de produire un document qui atteste que vous pouvez être sur la liste électorale à travers votre carte d'identité pour apprécier votre majorité, pour apprécier votre nationalité, et puis ensuite, vérifier par la suite si vous jouissez de vos droits civils et politiques ou si vous n'êtes pas condamné par voie de justice. Et c'est fort de cela que vous êtes inscrit. Si, par extraordinaire, vous échappez à ce filtre, il y a le traitement. Le traitement qui permet d'expurger la liste de toutes les scories qui peuvent y être. Et ce traitement est fait par la commission électorale indépendante. Et c'est à la suite de ce traitement que nous affichons la liste électorale pour ouvrir droit au contentieux. Et nous remettons, alors que c'est aux frais des partis politiques, mais gracieusement nous remettons la liste électorale entre les mains des partis politiques. Il vous souvient que nous l'avons fait le 29 juillet. Alors, ça permet aux partis politiques. Merci la famille. Merci d'être là. Merci d'être présent et puis merci des cœurs, merci de tout votre soutien
morale, physique et puis psychologique. Merci. Nous sommes une équipe, une famille, la fraternité. Nous sommes ensemble pour le bien-être de ce pays, de cette nation. Nous sommes ensemble pour l'avancée de la paix, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand je vous dis tout le temps, je suis une témoin de l'histoire, je suis une témoin de tous ces petits trucs, les élections, la liste électorale, la carte d'électeurs, on fraude, on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est du pipeau. Ils n'ont pas d'argument. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que on vous dit que c'est une liste provisoire. On ne peut pas s'acharner sur une liste provisoire pour faire des polémiques, pour faire, comme on dit, du vent en guerre. Vous voulez chercher des failles un peu partout. Quand j'entends que Habib va nous dire, on dit c'est une maître, parce qu'elle, elle saute d'étape en étape, je ne sais même pas. Soit tu es dans les avocats, ou soit tu es dans la politique pour fouiller. Parce que où vous êtes, c'est où ça ne va pas que vous voyez. Sinon, quand ça va là, vous n'êtes jamais là pour dire, ouais, ça va. Comme vous êtes malhonnête, vous êtes ingrat, des gens égoïstes, ils voient midi que à leur porte. Sinon, autant de babous ici, là, on a vu qu'il y a des gens qui ont été téléportés sur des listes parce qu'ils n'étaient pas des Ivoiriens. Quand je vous dis, en 2020, quand on faisait les enregistrements, les enrôlements, nous, on a fait étant ici, on a été dans les bureaux pour pouvoir s'inscrire. Quand tu es déjà inscrit, dès que tu donnes ta pièce d'identité, si jamais tu as changé d'adresse, tu viens avec ta quittance de loyer pour pouvoir mettre à jour ton identité sur la liste électorale. Si ton nom a changé, si tu as eu un nouveau nom marital, tu viens avec même ton livret de famille ou bien pièce d'identité, acte de naissance ou bien quittance de loyer, quelque chose qui prouve que tu as changé d'identité, quelque chose qui prouve que tu as changé d'adresse. Tout le monde sait ça. Toutes les administrations, c'est comme ça. Moi, je ne savais pas que à la CEI, là, CEI, parce qu'aujourd'hui, CEI est devenu votre mafia. C'est la CEI qui va prendre, truquer les élections données au RHDP, en train de faire les lavements de cerveau, dès maintenant. Dès maintenant, montrer qu'il y a des enfants de 3 ans qui iront voter. Montrer qu'il y a des vieux qui sont morts, mais ils sont inscrits sur la liste électorale. Il y a des personnes décédées qui iront voter. Comment un mort peut aller voter? Venez me dire. Même si nous on n'a pas été à l'école, quand même, nos minds, là, souvent, on essaie de mettre en règle un peu. On vous dit pour aller voter, il y a la liste. L'autre jour, je disais parce que j'étais pressée. Il y a la liste, il y a ta photo, il y a ton nom, il y a ton numéro de lecteur. Et puis, toi, dans ta main, tu as ta carte des lecteurs, tu as ta pièce d'identité. Quand tu viens, il y avait des tablettes. Les tablettes étaient comme ça. Parce que moi, j'ai été fait une journée de formation avec cette CEI à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Paris. On a été toute une journée pour faire des formations, pour nous former. Que parce qu'il y a d'autres qui n'arrivaient pas à manipuler la tablette. Tu tapes le nom, si la personne est inscrite tout de suite là, toute son identité apparaît.
vous le retrouvez, vous voyez tout ce que c'est vraiment. La pièce d'identité est là, vous mettez là, vous vérifiez. Quand même, il faut qu'on soit lucide un peu. Il faut qu'on apprenne à raisonner un peu. Il faut qu'on arrête de manipuler cette masse fragile. Ils n'ont pas besoin que d'aller à la guerre. Ils n'ont pas besoin qu'on les pousse tout le temps à aller sur la voie, à aller s'attaquer à leurs frères, avec ceux qui ont grandi. Parce qu'il est du Nord, il n'est pas ivoirien. Parce qu'il a non Koulibaly, il a non Doula, il a non ça, il n'est pas ivoirien. Donc, s'il est inscrit sur la liste électorale, ça veut dire que ce sont les Burkinabés, ils sont venus rajouter, ce sont les Maliens, ils sont venus rajouter. En France, ici, là, quand on dit on veut parler, nous tous, nous sommes venus, nous sommes devenus naturels, nous sommes naturalisés. Moi, quand je vais voter ici, on ne me dit pas je suis Burkinabé, on ne me dit pas je suis ivoirienne, je suis étranger. Si j'ai ma pièce d'identité et j'ai ma carte d'électeur, ça vient dans, ici, là, ça vient dans les, dans, comme on dit, tu n'as pas besoin d'aller t'enregistrer. C'est tout informatisé. Dès que c'est ce qu'Alassane veut mettre en place, vous trouvez que notre agent va de guerre gauche à droite. Ta carte d'électeur vient dans ton, dans, comme on dit, dans ta boîte aux lettres. Le matin, tu vas voter, ni vu, ni connu, jusqu'à l'après-midi, tout est fini. Pourquoi dans les autres pays développés, les élections, on n'entend rien. Tu sais que tu as ta carte d'électeur, tu te lèves le matin, tu vas, tu votes, tu es bien reçu. On te montre, ceux qui ne savent pas comment faire, on leur montre. Nous que le savons là. Tu t'en vas, tu fais ta chose, tu rentres ni venu connu. Ce n'est pas une guerre. Est-ce qu'on est obligé d'aimer tout le monde? Est-ce que c'est parce qu'on aime telle personne qu'il est devenu, ça fait de lui un étranger? Si en Côte d'Ivoire, toi tu as marié une femme baoulée, tu es burkinabé, tu as marié baoulée. Moi, en Côte d'Ivoire, je connais beaucoup de femmes baoulées qui ont des maris burkinabés. Tous leurs enfants ont les pièces ivoiriennes. Tu es de père ou de mère ivoirienne. Ça fait de toi un enfant né. Tu nais d'une mère ivoirienne, papa étranger. Automatiquement, tu peux avoir la nationalité ivoirienne. Parce que tu es né d'une mère ivoirienne et d'un père étranger. Et le père, il peut demander la nationalité s'il veut. Si il remplit les conditions. Vous-même chez vous, il y en a tellement des enfants et où. Quand on dit Côte d'Ivoire est mélangé là, c'est quand tu arrives à boiquer les tout maudits, les quoi. Nous qui avons fait avec nos maris corps habillés là, on a trop vu. Nous avons trop vu. Côte d'Ivoire là, qui a été le premier à mélanger la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire est mélangé avec les étrangers là. Qui a été le premier à mélanger la Côte d'Ivoire? Quand on veut parler, il y a les enfants de 2 ans, 3 ans inscrits sur la liste électorale. Toi-même, Habib Touré, là, quand tu vas essayer de tourner la page, là, tu vas devenir étrangère chez eux, là. Actuellement, là, c'est parce qu'Habib Touré fait leur affaire. Quand elle va commencer à changer, elle va devenir l'ennemi de ces gens-là. Depuis Bédié, d'abord, ils ont mis leur tête dans l'affaire de politique. Côte d'Ivoire, on parle que de lui, il est étranger. Lui, il vient de là-bas. Tu as ta pièce d'identité. Tu as ton passeport, tu as ton acte de naissance. Qui peut te dire que tu n'es pas ivoirien? Moi, je suis black. J'ai ma pièce bordereau. Où je rentre? Où français rentre, je rentre. Personne ne va m'indexer pour dire, toi étranger, la passe ici. Pourquoi c'est chez nous en Côte d'Ivoire là? Ça pose problème. C'est quelle ingratitude ça? Les gens viennent chez vous. Les gens sont nés chez vous. Les gens même sont dans nos pays. Nous-mêmes même qui sommes les Ivoiriens. Tant que tu portes le nom nordique, tu deviens automatiquement quelqu'un qui vient de quelque part. Donc, si nous, on nous voit sur les listes, là, on dit, oh, ils ont pris tous les étrangers pour mettre sur les listes. Chargez la Côte d'Ivoire, là. Parce que si vous déchargez la Côte d'Ivoire, là, nous tous, on va manger ça.
Hein? C'est des gens même qui ne foutent rien. Vous vendez vos terres aux étrangers. Ils cultivent, ils construisent. Aujourd'hui, là, vous les voyez en train de faire briller, mettre en valeur vos terres. Vous devenez des jaloux. Vous devenez aigris. Vous ne savez rien faire. Quand les gens viennent mettre en valeur vos terres, vous les vendez, la terre. Maintenant, quand vous voyez que ça réussit dans les mains, vous devenez des aigris. Vous devenez des jaloux, des envieux. La terre de nos ancêtres, la terre de nos parents. Quand c'était herbe seulement là, tu disais pas que c'était la terre de ton parent. Quand il y avait que des cases là, c'était pas la terre de tes ancêtres. Maintenant que le madou là, ou bien le brahma là est venu mettre immeuble, il est venu mettre usine, il est venu mettre champ de café cacao. Maintenant là, c'est lui, il est devenu votre ennemi. Parce qu'il reçut là où vous avez échoué. C'est la bénédiction. Parce qu'eux, ils ont une bonne foi. Leur cœur est blanc. Tant que vous ne libérez pas vos cœurs, là, vous allez toujours rester derrière comme nos fesses. Là. Et puis nous, on va venir prendre Côte d'Ivoire là, pour charger et puis vous mettre à côté. C'est quoi? On dit avançons ensemble. Avançons ensemble. Hein? Le nom là. Hey, c'est pas, ça là, c'est pas des Côte d'Ivoire. Hein? Toi là, tu viens d'où là? Tous ceux-là, ils vont venir voter pour faire élu le président Alassane Ouattara. Il va être élu et puis pion. On dit votre Gbagbo. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Arrête de me perturber. Arrête, j'aime pas ça. Quand je suis concentrée, tu arrêtes. Regarde. Quand on vous dit, il a été déchu de la liste électorale. Parce qu'il ne remplit pas les atouts d'une personne qui doit être inscrite. On vous dit, il a une poursuite judiciaire sur sa tête. S'il te plaît, tu peux me retirer ça. Retire. Il a une poursuite judiciaire sur sa tête. Comme c'est vous, vous trouvez que monsieur, il vient de la délaïer. Directement, il n'a qu'à aller pour mettre son nom sur la liste électorale. Parce que c'est lui, son père, ses ancêtres là qui ont construit la Côte d'Ivoire. Ce sont les Gaules, là. Le titre foncier de la Côte d'Ivoire, là. Ça appartient aux Gaules, les ancêtres, eux, là. C'est eux. Mais vous êtes arrivés sur les gangabas du pays. Vous avez fait avec PDCI. Eux, ils ont plié tapis, ils ont béou. Vous êtes venus, vous avez fait avec Oufoué-Boigny. Ils ont fait d'abord avec Oufoué-Boigny, vers la fin de sa vie. Mais avant, là, ce qu'il a fait à vos comment on dit, révolutionnaires, les Niabé Krabé, comment il les a sautés dans la poêle, là. Après, comme Sila Gbagbo était l'ami, est le fils de son ami, il a fait partie à les îles pour qu'il aille, comme on dit, à l'étranger pour au moins qu'il essaie de laver sa tête de Gaule. Mais le sang de Gaule, quand ça est en toi, là, c'est un crime. C'est un danger pour ta vie. C'est un danger dans tes veines. Le sang Gaule, Kogbabo ou rien, là. Quand ça est dans sa circuit dans ton corps, là, tu es mort fini. Parce que c'est comme toi-même, tu es là. Et puis, ton esprit ne t'appartient pas. Vous avez hué Oufoué-Boigny jusqu'à sa dernière demeure. Vous êtes venu changer sur un bédier. Lui, il a gagné en temps. Vous avez enterré Guéhi vivant. Vous avez dit que le président Alassane Ouattara avait sauté clôture. Longue vie à lui, Dieu merci. Mais, il a échappé belle. Et puis vous êtes là, vous vous regardez. Quand le tigre et le lion se voient là, c'est qui est là, là. La personne qui gagne, c'est lui qui est là. Et lui, il a gagné. Il est assis là. Il travaille. Il est compétent. Excellence numéro one. Son leadership numéro one. Il a dépassé les limites même de la frontière ivoirienne. Le monsieur, il met en valeur la Côte d'Ivoire. Il donne de la valeur aux Ivoiriens.
à la terre ivoirienne, aux matières premières de la Côte d'Ivoire, à toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire, les élèves, les étudiants, toutes les femmes aujourd'hui, même les mamans sont honorées, même les EADE. Toutes les années, on a des pagnes pour les mamans. Nous avons les pagnes pour les fêtes des mères, la fête des femmes. Dans ce pays-là, c'est au temps d'Alassane Ouattara, depuis des décennies-là, que nous connaissons maintenant toutes ces fêtes-là. Que nous connaissons fêtes des enfants, année de la jeunesse, année de femmes, année de maris, année de policiers, année de tucs, année de 13e mois. Augmentation des payes, le SMIC, tout ça là, on vous dit, il n'y a pas match. Mais maintenant là, vous allez venir mettre les morts vivants sur liste électorale, les prisonniers ambulants sur liste électorale pour aller où? On va aller voter quoi? Moi j'ai dit ça, c'est quoi? Des gens qu'on a mis au pouvoir. Kone Katina, tu vas venir écouter aussi. Donc aujourd'hui, Je pense qu'ils sont quelques bourreaux entre eux là-bas. Là. Ils pensent que avant Alassane, là, ce qu'ils avaient fait là, 2010, les zinzingos ils ont fait, ils pensent que la Côte d'Ivoire à ce stade-là encore, ils viendront encore faire ce qu'ils ont fait à Guéï, à Bédié, repositionner ce qu'ils ont envie de faire. N'oubliez pas qu'il y a des élèves, il y a des Ivoiriens devant vous. Quand vous êtes venus à l'aventure, venez chercher la médiocrité pour aller là. Nous sommes venus à l'aventure, venez chercher la bonté pour partir. Montrer qu'on peut faire la politique autrement. Montrer que des frères, on peut être d'avis différents et puis marcher ensemble. Ne serait-ce que instaurer cette paix, laisser cette chose souder, cette cohésion sociale. Si vous ne voulez pas la paix, vous allez dans les pays, le Soudan aujourd'hui, en Vatapoule. Il y a Sénégal aussi que vous êtes en train de manipuler les opposants là-bas aussi. Là. Parce que partout où ces panafricains rentrent là, c'est le désordre total. Et nous, les Ivoiriens, nous avons compris que les panafricains là, ils n'ont plus leur place dans notre pays. Les faux panafricains là, nous on les vomit. Les Kémis se battent. Les Nathalie Nyang, ceux même qui n'ont pas pu réparer chez eux là, c'est chez nous comme ça, là, ils veulent venir réparer. Ils n'ont qu'à aller devant. Nous maintenant là, nous avons compris. Parce qu'on sait que les panafricanistes là, c'est pour s'enrichir, voir le peuple africain se pourchasser, se tuer, s'entretuer, et puis eux, ils vont être riches, ils vont devenir riches. Richesse sur le sang des Africains. Ceux qui n'ont pas compris, là, ils vont couler leur sang. Nous qui avons compris, là, notre sang, là, ne sera pas coulé. Le sang de nos familles, là, ne va pas couler. La personne qui essaiera de faire couler le sang, là, c'est lui, il va aller en premier dans sa tombe. D'accord. Il faut qu'on soit très sur ça. Jean-Philippe Aliton, bonsoir, c'est gentil. Martine Oulia, bonsoir, vous aussi, c'est gentil. Merci d'être là. Merci. Parce que la vie, là, ça ne se limite pas qu'au bout de l'année. Ils n'ont qu'à savoir aussi qu'il y a des gens qui sont là, qui sont à côté. Il y a des gens qui sont là. Ils sont là et bien là. Je vais encore revenir vous faire écouter l'histoire, les histoires. L'opposition, il manque d'arguments. Vous dites la situation des personnes qui sont décédées. C'est difficile. Il ne faut pas confondre l'enrôlement et le vote. Au vote, il y a une tablette qui va permettre d'identifier les personnes qui sont sur la liste électorale. Quand vous arrivez, si vous n'avez pas votre carte d'électeur et que vous avez votre carte d'identité, qu'on peut vous retrouver sur la liste électorale, immédiatement, vous pouvez participer au vote. C'est comme ça que ça se fait. Mais dans l'enrôlement, vous êtes déjà, parce que le cas des personnes décédées qui nous intéressent, ce sont les personnes qui viennent s'inscrire. Donc, si vous êtes décédé, vous ne viendrez pas vous faire enrôler, puisque vous êtes censé ne pas exister.
Maintenant, si vous êtes déjà sur la liste électorale, il est difficile de donner la carte d'une personne décédée à une autre personne quand on sait que quand vous allez arriver, vous allez mettre votre doigt, étant entendu que les empreintes digitales sont uniques. C'est ce qu'on nous a dit. L'iris et puis les empreintes digitales sont uniques. Donc, vous ne pouvez pas voter à la place. C'est possible que ça se fasse à condition qu'il y ait un consensus dans le bureau de vote. C'est-à-dire que vous avez circonvenu aussi bien les trois membres que tous les autres représentants des candidats. Mais dans ce cas, ce n'est plus une fraude, c'est un consensus. Donc voilà, hein. Sinon ne vous inquiétez pas pour le cas des personnes qui sont décédées. Nous sommes en train de faire un travail que je considère titanesque parce que dans l'entendement, dans notre culture, les parents ne déclarent pas les décès. Ils ne vont pas déclarer les décès. Et il y a un qui nous a dit, mais vous n'avez même pas fini de régler pour les vivants, c'est pour les personnes qui sont décédées, il faut les laisser là où elles sont. Vous voyez? Donc, ils ne trouvent même pas un intérêt attaché à déclarer un décès. En ville, on arrive à le faire à cause des pensions, des dossiers de pension et d'assurance. Sinon, l'Africain ne considère même pas qu'il y a un intérêt à déclarer un décès. Vous avez compris? Je ne sais pas par quelle bouche je vais commencer. Tout ce qu'ils sont en train de faire, je vais le résumer, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont jamais du président à la chape de l'Ontario. Ils sont toujours été jamais du président à la chape de l'Ontario. Quand ils s'énervent tous les matins, ils voient les routes, ils voient pont, ils voient la Côte d'Ivoire du sol. Mais ça leur fait mal. Mais ça leur fait mal. Vous savez, il y a des problèmes là. C'est toi seul qui le sens, tu ne peux pas dire à quelqu'un. Parce que toi seul, en toi là, tu vraiment as mal. Et ils ont mal. Ils ont mal. Parce qu'ils se rendent compte que eux, ils ont géré. Ils ont géré, Dieu leur a donné leur chance. Pour gérer. Mais eux, ils ont gardé la chance que tu avais à donner. Voilà. Tu as donné la même chance au président Alassane Ouattara. En si peu de temps, le président Ouattara a fait autant pour vous. C'est-à-dire que quand vous regardez la production de la Côte d'Ivoire en électricité, le nombre de mégawatts que nous produisons en électricité, en 10 ans, le président a quasiment fait ce que la Côte d'Ivoire fait en 50 ans. Applaudissez. Quand vous regardez dans le secteur de l'éducation, depuis 1960, demandez à la dame de 1960 jusqu'en 2011, on a eu à peine 300 collèges en Côte d'Ivoire. Partagez, hein, vous savez, hein, 280 de 1960 jusqu'en 2011, c'est-à-dire en 50 ans, dans toute la Côte d'Ivoire, il y avait à peine 300 collèges. De 2011 jusqu'en 2023, Alassane Ouattara, lui seul, en 10 ans, c'est près de 400 collèges qu'il a fait en Côte d'Ivoire. 400. Oh, le président a construit en 10 ans plus de collèges que la Côte d'Ivoire en a eu en 50 ans. Mais je peux prendre tous les problèmes. C'est pas un homme, c'est un génie. Ça là. Ça lève vraiment mal. Ça lève bien mal. Mais vous souffrez encore pendant quelques années. Parce que le président est là, et il va continuer à travailler. Il va continuer encore à travailler. Merci. Eh non, notre chose, comme on dit, le ministre de la Jeunesse, merci à lui pour le projet des jeunes 2023 à la jeunesse. Vous voyez, quand on vous dit c'est la jalousie. Et il y a des moments quand il brille comme ça, quand une gore voit comme ça, elle est fâchée. Mm-hmm. Quand une gore voit comme ça, là, elle voit que je suis trop en paix. Parce que eux, leur politique là, leur âme n'est même pas en paix avec leur corps.
ils ont l'âme qui tremble dans leur corps. C'est pas tranquille. Quand est-ce qu'ils vont me tuer? Quand est-ce que je vais aller tuer? Ils sont seulement dans ça. Quand est-ce qu'on va tuer pour prendre la terre de nos ancêtres? Mais quelqu'un qui est successivement en train de se questionner comme ça, là, est-ce que tu es en paix avec toi-même? Tu n'es pas en paix avec Dieu, tu n'es pas en paix avec les anges, tu n'es pas en paix avec toi-même. Ton esprit est perturbé. C'est dans ça, cette politique, vous êtes. Politique où tu es perturbé à vie, là. Tu as AVC, tu peux avoir arrêt cardiaque, tu vas avoir hypertension, tu vas avoir cancer, parce qu'à force de penser négativement de ton prochain, là, cancer, là, va attaquer quelque part là-bas. Tumeur, là, va attaquer quelque part là-bas. Délivrez votre âme, délivrez votre esprit. Votre cœur, là, désarmez votre cœur. Parce que la vie, là, aujourd'hui, là, appartient à celui qui profite de la joie. La vie, là, prends ça comme ça se présente. C'est le temps du nankama, accepte. C'est Dieu qui l'a élevé. Donc, nul ne peut aller contre ça. Voici ça, vous êtes en train de stresser Gbagbo jusqu'à aujourd'hui, là, il est où? Sur oxygène. Vous l'avez stressé. Lui-même, il sait que il a signé un accord pour rentrer. Il sait qu'il y a une poursuite sur sa tête. Accord qu'il a signé, contrat qu'il a signé, arrangement que tous ceux-là, ils ont fait là. Lui, il rentre et puis il voit qu'il ne peut pas dire la vérité à tous ces blablabla qui le poussent là. Mais voici ça. Parce que lui-même, il sent qu'il n'est pas dans la vérité. Et il sent qu'il est dans un combat qu'il ne va pas gagner. Son combat, là, il est joué avant même là, de commencer. Donc, il est perturbé. Vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, là, sa tension a monté jusqu'à... Voici le monsieur. Vous le fragilisez. Vous êtes en train de détruire à petit feu Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent est en train d'être détruit à petit feu. De la manière dont il a refusé un vol présidentiel, il est rentré en Gangamba là. De la manière il n'a pas voulu qu'on l'accueille et chose au pavillon présidentiel là, rentrer gros cœur, venir divorcer sa femme à l'aéroport, passer sur Goudron à Alassane Ouattara, tout ce qu'il voit là, tous les merveilles qu'il a vues là, ça ne peut pas... Ils n'arrivent pas à digérer. Et puis, ils voient que les marmas, ils ont, les gens qu'ils aiment dire, hey, on va les faire l'aider, on va l'installer. Ils voient qu'ils comptent sur vous, mais rien, vous n'arrivez à rien faire. Donc, il est tellement déçu qu'actuellement, là, il prend un coup, sa santé prend un coup. Laissez le vieux, là, il va profiter de sa vieillesse. Laissez le vieux, là, il va profiter de sa vie autrement que venir le positionner forcé dans un fauteuil qui ne peut pas gérer. Comme on dit, Pepe Yasei là, il n'y a que Gbagbo Laurent, de Dieu. Donc, ça veut dire au Pepe Yasei là, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de candidat. Vous êtes tous de quoi? Des piquets collés? Vous êtes tous de quoi? L'ombre de Gbagbo? Donc, si le jus n'est pas là, là, vous mourrez tous. Donc, portez vos cercueils. Commencez à préparer vos cercueils aussi. Vous allez porter tous votre croix là. Parce que Gbagbo ne va plus aller dans le fauteuil présidentiel là. Il ne va rien donner à la Côte d'Ivoire. Jeunesse, il n'a rien donné. C'est pas où il est. Poussé de marée là, il va donner quoi? Il va donner quoi? Vous pensez que nous, on a besoin de président fantasy? Président fancy? Président tissu? Hollandais, Bonquita, de l'or, président qui vaut, qui dépasse même les diamants, qui a des compétences, qui a des idées, qui est esprit dans l'âme, qui est esprit sur le terrain. Président qui sait que son pays doit être sécurisé, son pays doit être tranquille, son pays doit avoir tout ce qui peut faire développer un pays. On va pas aller tout le temps dans « on va tuer, oh, on va faire ça, on va installer Gbagbo sans élection. » Parce que les autres, là, ils sont des robots, quoi. On dit son nom, là, ne va pas être inscrit. Venez nous dire comment Abibaba fait pour passer pour aller faire inscrit. Ou bien Abibaba pense que c'est Gbagbo qui est au pouvoir. Saadu qui est au pouvoir.
pouvoir d'Ado et pouvoir de Bédié, pouvoir de Guéï, ça fait deux. Ça fait trois. Quand vous regardez l'homme, le guépard là, il est là. Et puis le positionner, vous regardez. Vos bruits, vous êtes en train de faire. C'est nous qui aimons parler. Sinon, vous savez que Ado, quand vous le voyez là, vous n'arrivez pas à parler. C'est quand vous êtes sur votre écran, dans vos conférences, là, vous avez la grande gueule. Vous transpirez, on dirait que vous êtes en train de manger braisé porc au four. Les mangeurs de porc au four là. Vous pensez que quand vous finissez de boire, la Côte d'Ivoire se limite à boisson avec porc au four. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là a besoin d'autre chose que des beaux pardons, que des gens qui bavardent. D'accord? Venez nous dire. Déjà, vous nous donnez votre bilan de tout ce que vous avez fait dans le passé. Venez nous dire, quand vous avez volé l'argent de l'abbé Seyao, là, qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Venez nous dire, quand tous ces morts-là sont morts-là, quelle solution vous avez trouvée pour les familles en deuil là? Venez nous dire, les enfants au filet là, qu'est-ce que vous avez comme programme pour eux, projet pour eux? Quand vous allez nous donner tous vos bilans, et puis maintenant, nous on va prendre les feuilles, bic, et puis on va demander, bon, comment Ado va faire tout ça là-haut? Vous, si vous venez là, qu'est-ce que vous allez rajouter? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que maintenant on parle de, c'est pas ivoirien, les morts sont sur les feuilles, les enfants de 3 ans sont sur les listes électorales, et sont inscrits là-bas, et puis c'est Gbagbo qui n'est pas inscrit. Comment un mort peut venir voter s'il y a son nom inscrit? Si les gens partent pas pour faire les certificats de décès, aller déclarer les morts, s'ils partent pas pour faire le nécessaire pour qu'on enlève les noms. Mais même s'il y a son nom là-bas, ça avait pièce d'identité. Ça avait carte d'électeur. Si tu n'as pas carte d'électeur avec ta pièce d'identité, on te retrouve. Tu viens t'arrêter là. Toi-même, tu es arrêté. Nous-mêmes, on te voit. Et puis, il y a ton empreinte. C'est unique à son genre. Chacun a son. Toi, tu as ça là. Tu mets là. On sait que c'est toi ou bien c'est pas toi. Ton visage est là. Ton nom est écrit. Ta pièce d'identité est là. On sait très bien que c'est le mort là. Lui, il ne peut pas venir avec pièce d'identité pour venir voter. C'est que c'est un fantôme qui est venu voter. Sinon, quand tu as ta pièce, tu es mort là, tu ne vas pas te lever pour venir voter. Donc, même s'il y a ton nom là, tu ne peux pas venir voter parce que ta pièce est déjà sur le côté là-bas. Toi, tu as 3 ans, tu n'as pas encore 18 ans. Là, je fais, voter. 3 ans, tu vas venir quête, avec quelle pièce d'identité? Avec quel cadre d'électeur pour venir voter où? Moi-même, là, je suis assis dans le bureau de vote et puis je vais te voir 3 ans, là, tu arrives. Je vais te laisser voter. C'est que bureau de vote, là, et puis je vais vous dire, notre bureau de vote qu'on avait fait, il y avait candidat des membres de RHDP, membres de CEI, membres de PDCI, membres de FPI. On avait plusieurs personnes autour des bureaux. Chaque bureau, il y a 4 membres de chaque parti. Chaque table, il y a 4 membres. Un de CEI, eux, ils ont les tablettes. Moi, j'ai travaillé pour CEI, donc j'avais la tablette. Les membres de PDCI, il y avait. Membres de FPI, il y avait. RHDP, il y avait. Ça n'a rien à voir avec CEI. Voilà, c'est pour vous dire ça. C'est CEI-là, eux, ils portent orange, blanc, vert, là. Ils ont leur blouson que vous voyez, là, orange, blanc, vert. Maintenant, nous, on était en civil. Voilà. Comme moi, j'avais fait la formation de tablette, du coup, on m'a rajouté sur CEI, parce que à notre table, là, il y avait une personne qui était censée être CEI, mais elle n'a pas été à la formation de la tablette. Du coup, comment j'avais fait la formation de la tablette, ils m'ont donné le tablier, là, j'ai porté. J'ai même ça à la maison ici. Parce que après, vous partez avec ça. Hein? Des blabla comme ça, là, vous allez induire les, c'est vous chez vous, là, il y a beaucoup d'illettrés. Parce que nous, on n'a pas été à l'école. Mais notre cerveau, l'on prend pour rouler. Aller dormir à l'université, aller dormir dans un cours de droit,
aller dormir ou la doctorat et puis être idiot sur le terrain. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Aller dormir à l'université. Vos parents vous ont, ils ont attrapé la faim pour assurer vos universités, vos droits là. Et puis vous êtes idiot encore comme ça. Quand on va venir faire voter les morts, on va venir faire voter les bébés, on va venir faire voter les étrangers, les non choses nationaux. Comment on peut, un étranger peut venir voter avec son, sa pièce d'identité burkinabé? Ou bien un malien peut venir voter avec sa pièce malien. Il n'a pas pièce ivoirienne, lui va venir, il a arrêté sur notre table comme ça, tous ses membres là sont là, et puis moi je vais le faire voter. C'est que vous-même là, vous êtes de mèche avec cette personne. On vous dit, à partir du 1er juin là, vous avez 10 jours pour faire les réclamations. Venez, vous allez venir faire réclamation au lieu de chercher toujours les failles. Maintenant, on vous a donné une chose, comme on dit, Doumia Major vous a dit, on vous rajoute même 10 jours encore sur les autres 10 jours. Comme c'est vous, vous connaissez papier, c'est vous connaissez les droits, c'est vous connaissez tellement le droit, la loi là même là, vous respectez rien, mais c'est vous, vous voulez imposer vos idées. Venez avec, venez, on va voir. Et puis quand vous allez commencer, quand vous allez trouver tous les listes là, parce que nous on nous a dit, c'est provisoire. Ça veut dire c'est maintenant on fait les réclamations et puis ils vont donner définitif. Donc, nous quand on faisait notre enrôlement ici, on dit venez, hein, venez regarder si ton nom est bien écrit ou n'est pas que quand tu vas aller voter, ils vont dire non, c'est pas toi-même. Donc, on écrit sur la tablette où on faisait l'enrôlement. On écrit ton nom et puis tu donnes la pièce d'identité. On regarde la pièce, ils écrivent. Il te montre, c'est comme ça ton nom s'écrit. On peut valider, regarde, on te donne la tablette, tu regardes. Oui, c'est mon nom, c'est mon adresse, c'est mon, comment on dit, c'est ma profession, et puis tout. Et on te dit, bon, valide, tu valides. Maintenant, tu es enregistré. On dit, c'est une fois, tu fais avis. Maintenant, c'est quand tu sais que ton nom a changé, ou bien ton adresse a changé. Maintenant qu'on dit enrôlement, vas-y pour aller rectifier. Pour ne pas que le jour des élections, tu puisses avoir un problème dans les bureaux de vote. N'importe quoi. Nous-mêmes, on est ici, là, on comprend plus que vous-même. Vous-même qui aimez dire, on connaît politique. Vous êtes limité sur votre histoire, là. Histoire, on a fait école d'histoire pour venir. Votre histoire vous a fait faire là, c'est histoire de révolution. Histoire que pour la révolution. Pas histoire pour faire avancer l'Africain. Histoire pour acheter les ennemis contre l'Afrique. C'est tout. Sinon, moi, je ne vois pas. Ce qui peut faire avancer l'Afrique, ces panafricains-là, ils ne veulent pas ça. C'est ce qui peut faire détruire l'Afrique-là. Ils sont toujours dans ça. Des présidents qui ont fait les 50 ans, les 60 ans au pouvoir, vous ne voyez pas là-bas. Le petit monsieur, il n'a fait que 10 ans. Et puis, il a dépassé les choses, comme on dit, nos attendements. Regardez. Moi-même, là, ici, assise ici, là, je rêve à Abidjan. Quand tu entends, tu vois, quand tes parents font les photos, ils partent dans les coins tranquilles, là. Au nom, on dirait de sauter pour arriver là-bas. Des idiots comme ça, contre le développement, contre la paix, contre la stabilité, contre l'émergence. Définition de go. Contre la paix, contre émergence, contre infrastructure, contre manger. Ils sont contre tout ce qui est bon. Eux là, la définition de gore là, c'est le malheur, la tristesse, l'angoisse totale, et puis la haine, et puis l'ingratitude. C'est la définition de gore, ça. C'est pas bagou ou rien, hein? La haine, la violence, l'insurrection, et chose, le soulèvement populaire. Et puis, comment faire pour détruire l'Afrique de l'Ouest, les autres Afriques, pour qu'ils viennent attaquer la Côte d'Ivoire? C'est quel esprit ça? Démoniaque. Des gens même qui sont en conflit avec eux-mêmes là. Vous n'êtes même pas en paix avec vous. C'est la paix que vous allez donner à la Côte d'Ivoire?
Président Assi, bonsoir. Comment tu vas? Mat Fanny, ma soeur, bonsoir à toi aussi. Moustapha Assi, bonsoir à vous aussi. Quand je vois les Sénégalais, c'est ceux-là, ils veulent les regarder. Regardez-les. Ils vont brûler votre pays pour vous donner. Et puis, ça ne chauffe pas. Si vous brûlez votre pays, là, ne venez pas en Côte d'Ivoire, hein, parce que nous, on ne va pas laisser, ils vont brûler notre pays. Comme vous voulez laisser ces panafricains là, vous donnez des gens qui ne veulent pas aller répondre devant le tribunal, brûlez votre pays là. Suivez les panafricains. Les Maliens les ont suivis. Vous avez vu l'état du Mali aujourd'hui? Le Burkina les a suivis. Vous avez vu l'état du Burkina aujourd'hui? Comme on dit, le Soudan là, regardez, Soudan, ils avaient voulu prendre l'exemple sur les panafricains. Les panafricains, là. Vous avez vu l'état du Soudan? Regardez la Guinée, l'état de la Guinée aujourd'hui. Continuez. Côte d'Ivoire, là, nous, on ne les regarde pas. On va les balayer. Ils n'ont qu'à aller faire chez Biya. Ils n'ont qu'à aller faire à Centrafrique. Ils n'ont qu'à aller faire dans les autres pays de l'Afrique où les présidents sont là pendant 50 ans, là. Nous, on n'était même pas encore nés. Ils sont encore au pouvoir, là. Ils n'ont qu'à aller là-bas. Alassane Ouattara, il vient de commencer. On peut dire que c'est président biberon. Président bébé, il n'a même pas encore goûté d'abord. Ça, c'est rentré à la matière. Regardez ce qu'il a fait en 10 ans. Regardez ce qu'il a fait. Donc, si lui, il reste jusqu'à 40 ans comme Dia, là. Mais Côte d'Ivoire, même là, je ne pense même pas si nous, maman, on dirait qu'on est ivoirien encore. Ils diront que non. La Côte d'Ivoire est devenue autre chose. N'importe quoi. On dit la compétence, vous êtes là dans la médiocrité tout le temps. Hein? Voilà, vous-même, vous allez écouter les gars même là qui ont compris un peu. Il y a certains là, eux, ils ont compris. Donc, on dit Alléluia, Amen. Leur âme a été délivrée. Parce que nous sommes en prière. Les imams, les religieux, tous les religieux, imams, les prêtres, même les gens, tous ceux qui connaissent Dieu là, ils sont en prière. Donc ils arrivent à la prière en train de toucher certains, ils sont en train d'être délivrés. Donc dit Dieu merci. Douaou Bediabila, sinon c'est pas bon d'être. Être gore, c'est la malédiction. Être gore, c'est la poisse. Être gore, c'est la méchanceté, c'est la jalousie, c'est la sorcellerie. Écoutez ici. Antomi les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, puis pour connaître Tatina là. Ouais, on va poser les actes. Faut mettre tes enfants au premier rang. Voilà. Ok? Connais Tatina. Mets tes enfants là, tes deux enfants que tu es là. Faut les mettre au premier rang. Et puis toi-même là, tu te mets au premier rang. Et puis tu mets maintenant ta femme. Comme ça, les autres vont suivre. Vous voyez? Maintenant, Agnès Picasse, vous voyez, il montait les côtes, les plaintes qui l'ont suivi là. C'est vrai. Et il travaille. Hein. C'est lui-même, même t'a dit, il travaille avec Ouattara. J'ai dit, ses bras, PPSI là, c'est le deuxième bras de Ouattara. C'est pour ça que des fois là, quand ils sont là, et tellement nous les Ivoiriens, on est fanatistes. Ils vont faire sortir les discours vraiment qui nous font plaisir. Faut voir, oh, les gens, ouais, qu'on est Katina, il a écrasé. C'est le scénario qu'ils font. Vous, quand vous regardez les films là, scénario que les gens montrent là, c'est ça qu'il faut là. Il faut que vous arrêtez. Ivoirien, ouvrez les yeux. J'ai pas tout fait sortir. Hein. J'ai dit c'est petit à petit. J'ai dit on est dedans. On est dedans. Vous avez compris? Il y a des gores radicaux aujourd'hui là. Eux-mêmes là, ils sont en train de se tirer parce qu'ils voient que ceux-là, quand tu es avec eux souvent là, tu n'avances pas. Tu attires le malheur, la poisse. Quand tu es délivré, tu vois que ton bonheur commence. Donc ceux qui ont compris, Alléluia, Amen. Ceux qui ont compris, Soyez bénis. Les gens, 2023 là,
où chacun est en train de chercher à aller construire dans un pays émergent. Toi, tu es derrière Kone Katina qui transpire jusqu'à Abiba, la maîtresse du lieu. Abiba, la go de tous les moros là. Elle transpire jusqu'à... C'est parce qu'elle voit Côte d'Ivoire en train de briller. Sinon, elle a deux passeports. Quand ça va chauffer, là, elle va gagner en temps. Les Kone Katina, là, eux, ils pensent qu'ils vont sortir encore pour aller au Ghana. Stéphane Kipre pense que lui, il va encore aller racketter Congo. Il va aller encore vendre poteau électrique, pacifié aux gens. Tellement ils sont dans la... dans tout ce qui est mauvais. Ils sont malhonnêtes. Ils sont méchants. Ils prennent les autres pour le trou du cul. Vous m'excusez du thème. Ils prennent les autres pour le trou du cul. Ils aiment quand vous êtes endormis. Là, ils s'enrichissent sur vous. Mais nous là, nous les Ivoiriens conscients, la génération consciente, nos aînés là, ils ont joué au pipo, ils sont venus déraciner leur vie. Leur destin là, leur avenir est hypothéqué. Non, on va pas laisser ça. Hein. Et puis nos enfants qui nous suivent là, ils vont pas avoir ce malheur là. C'est nous qui devons montrer à ces gens là que leur temps là est passé. Le temps passé là, ça revient plus. Et nous, c'est le temps passé positif, le temps passé qui t'a fait sourire là, que tu veux voir revenir. Souvent tu es assis et puis tu rigoles seul parce que tu penses à ton temps passé qui t'a donné de la joie. Mais le temps passé qui t'a fait compter des morts, qui t'a fait voir des hommes brisés, quitte là, je n'ai pas encore fini. Qui t'a fait voir des hommes brisés. Tu penses que tu voudrais que ce temps passé là revienne? Le temps passé où tu vas même dans un quartier, c'est la boue, tu es obligé d'attraper ta robe pour sauter là. Vous pensez que c'est de ça il s'agit encore? Ado de London, merci à toi. Des marmailleurs. Oui, oui, oui. Ça, ce sont les amis de Makoso, là, les marmailleurs. C'est dans la marmaille, ils arrivent à prospérer. Mais nous, on a compris ça. Marmaille, là, ça passe pas ici. Aïe! On les dérange. Les réseaux aujourd'hui, là, les dérangent. Parce qu'ils savent que il y a des gens, leur cerveau là n'a pas voyagé. Nous, notre esprit n'a pas voyagé. On a essayé de maintenir notre esprit. On marche avec notre esprit. Ceux qui ont laissé leur esprit dans le vaudou du Bénin là, n'allez pas chercher votre esprit. Hein. Votre esprit qui a voyagé. Quand on dit ici là, il y a goudron, ils voient la boue. Quand on dit ici là, il y a échangeur, eux là, ils voient pont de liane. Quand on dit ici là, il y a université, ils voient seulement premier brique. Tellement l'esprit a voyagé, dont le raisonnement ne va plus. Ils ne raisonnent plus. Ils sont limités dans le temps, dans l'espace. N'importe quoi, l'Afrique, la Côte d'Ivoire va s'arrêter là. Les autres Afriques, là, les autres pays, là, ils n'ont qu'à continuer dans leur médiocrité. Nous, là, on a essayé, on veut changer les données. Les dons, là, vont changer. Et ça a changé avec Alassane Ouattara. Et nous, la continuité, là, on va continuer dans la positivité. Mais pas dans la médiocrité. Des gens qui luttent à l'hôpital là-bas, c'est eux, vous voulez aller mettre leur nom sur. Dis, mais on va les mettre sur. Si la liste électorale, là, ça va donner quoi à la Côte d'Ivoire? Quand il n'était pas au pays, 8 ans, 10 ans, là, la Côte d'Ivoire a perdu quoi? Dites-moi. Quand Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a perdu? Venez me dire. La Côte d'Ivoire a plus gagné même quand Gbagbo n'était pas là qu'il est arrivé là. Il est arrivé là, regardez. Les gens sont en train de s'inquiéter. L'inquiétude est... Ils se disent, ils voient déjà le conflit le conflit du passé. Parce qu'il nous fait revivre tout le temps le passé. Hein? Tout le temps. Jamais venir donner de bonnes choses. Hein. Quand ils sortent, femmes ou garçons, il y a une personne qui a fait le droit pour Abiba Touré. Une personne qui a fait le droit. Les mêmes personnes qui étaient à la cause de cette chose, comme on dit,
Damana Picasso a déchiré les résultats là. Cette dame était la même personne qui avait encouragé ça, à garder les résultats des élections. Elle pense que elle va revenir encore jouer à la corde en Côte d'Ivoire et puis elle va s'échapper. Si les Français ne t'appellent pas maintenant là, quand ça va chauffer, ils vont pas venir dire on va faire partie nos ressortissants. Toi seul là, tu vas rester à Bibatouré. Au nom de Dieu, si vous la laissez sortir, si elle met le feu dans ce pays, et puis les Français viennent pour dire c'est notre ressortissant, si vous la laissez sortir, c'est que vous-même là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Elle va rester pour manger la nourriture qu'elle veut chauffer dans ce feu là. Elle va rester pour manger. Ne la laissez pas sortir. Hein. Elle commence, elle termine. Parce que je ne sais pas sur quoi elle compte. Sur ce qu'elle compte là, nous, on va continuer. Vous allez écouter encore. Vous, vous êtes opposant, mais vous partez à l'Assemblée nationale. C'est plutôt que vous choisissez. Il n'y a qu'à être prêt. Il n'y avait pas les choix. Et tellement vous n'avez rien. Hé, libérez notre vie. On n'est plus dans la couche. Nous, on dit 2025. Comme vous avez dit que c'est Oupa qui sera président en 2025, là. Nous-mêmes, on est d'accord. Nous, on est en train d'attendre pour voir. C'est tout. Vous sortez, vous criez. Vous partez avec vos injures, là. Vous avez fait longtemps. Vous avez toujours fait. Même quand il est là. Vous avez... Kodjo, tu vas voter. Vous avez voté Didier Congélateur. Il est là. En tout cas. Il vous gouverne. Il gouverne vos bons parents pour mettre dessus. Donc, injures, là, on dirait que ça rend fort. Voilà. C'est ça quand vous insultez Charles Bigoudé, vous dites rien. Parce que ça n'a pas de chance. Dans ce que vous êtes là, ça n'a pas de chance. Nous, on a vu dedans. On n'insulte plus. Ah, Lydie Bailly qui sort. Lydie Bailly, tu faisais quel travail en Côte d'Ivoire ici? Lydie Bailly, tu faisais que tu occupais quel poste politique en Côte d'Ivoire ici et que tu crois que tu as ton mot à dire? Toi, tu étais les petits torchons de Babou là, ici, les gars de corps, tout ça. Vous étiez les merdes là d'ici. Aujourd'hui, quand ils ont attrapé Babou, quand vous avez vu que vous n'avez plus de Maïma, vous criez. Tu as ta carte comment on appelle, de papacien, je veux voir s'il te plaît, Lydie Bailly. Comme ma soeur a fait enfant avec Babou. C'est un titre. C'est dans ça là aussi, tu vas sortir, tu vas venir ouvrir ici. Laisse, le coup de va devenir président. Trouve-toi un gars. Donc, famille, je dis, chez eux là-bas, là, Côte d'Ivoire est doux. On va écouter un peu Gbagbo aussi. Que les juges fassent leur travail. Voilà. Gbagbo, il a été condamné à 20 ans. Donc, la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, alors, oui, alors, oui. Il a été condamné par défaut. Par défaut, voilà. Et pas par coutumance. Pas par coutumance, par défaut. Voilà. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par coutumance. Vous savez, vous êtes assis là comme ça. Il y en a qui pensent, mais Gbagbo, voilà, il a été condamné à 20 ans. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Non, moi j'ai pitié pour vos militants. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. La sagesse est de se préparer à partir. Donc, je partirai. Vas-y, je viens là-bas. Donc, j'ai dit, il dit les juges n'ont qu'à faire leur travail. Les juges même ils vont aller le chercher où il est là. Si on va le chercher là-bas, ils vont pas dire que nous sommes criminels. Il est votre candidat. S'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, il va être candidat comment? C'est eux l'ont dit, les vampires qui viennent voter là. C'est les vampires qu'on doit les voter là. Voici ça, les gens même on les retrouve pas sur la liste électorale. Il y a des gens qui disent, eux, ce sont ces personnes là qui vont devenir, qui sont les candidats. Vous-même, là, vous n'êtes pas dans les trucages. Quelqu'un même qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, on dit, c'est un braqueur de banque. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, dans nos constitutions, braqueur, voleur, quelqu'un qui a des peines de prison, qui n'a pas de casier vierge, qui n'a pas reçu d'amnistie, il peut pas
même être inscrit sur la liste électorale, à plus forte raison, poser candidature pour être président. Voilà, en détail. C'est comme ça, en détail. Je ne sais pas si je dois dire en djoula ou bien je dois dire en haute langue. Ko, bah ok, aka Côte d'Ivoire, Banki Ban, sous-région Beya Banki Bako, c'est Yao, Ayatanake, Okaachi, Kawari Sounia, Kabeche, parce que son il est comboyé. Son il est combé mingé, Atala, Mourofara Yorola, Laïla, au Yorola, au Koko, ah, on n'a pas assez de preuves, ils l'ont déposé, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de choses parce qu'il y a santé. Moi, je ne sais pas si ça a eu lieu là. Mais, il y a eu un procès à ma tribunal, à ma avocat, à ma juge. Il a joué le gentleman. Donc, si on m'a donné un temps là, c'est il a pu aller s'inscrire au coca, trop, et c'est qu'il passé. Il y a quasi encore sale. Et là, Jean Clément, comme il aime boulanger, à Nyenoko, on a autant de Gueye, à Nyenoko, on a autant de Babo, Bédier, autant de Fouet, à Maloko, au Fouet, il y a la mode, il y a pouvoir la vie. À Maloko, au Fouet, il y a Kalangede, il y a pouvoir la vie. Donc, regardez, au Fouet, son vieux. Et puis, regardez sa jeunesse qui est là, là, qui est à dos. Et puis, nous sommes les derrière. Arrêtez ça. Ouvre. Ouvre avec. Elle me fait tout. Donc lui, Atenata Kassoula, président de Atenata Kassoula, comme santé main. Il est président qui a mis signé, qu'il est nanaka, il est d'abord politique, qu'il a tracé, il y a du goût là. Son anu kmanadron, il est à Kassoula. A ouli la tala, ce yi la. Ce yi doye nyena kwa la santale, ce yi. Ce yi la, lui yere ya mwebe, biro nou nou konoye. O koche ye kasodene ibe yaralani ya maka watanamo dreke orangeye ni ma intention que tu vas partir en prison et là comme a te tient fort chokoroba m te tient fort a la mode me se ka tient fort tu yadi un vieux qui ne dit pas la vérité tous ces enfants là diront pas la vérité donc entre eux là obenyon faniatre nyon yi et non on va c'est notre candidat. C'est un candidat. On va faire un check quand ils arrivent devant Adola. Ils sont comme ça. Quand ils parlent, ils arrivent devant Adola. Ils sont comme ça. Quand ils sont dans la rue, là. Quand ils voient le visage d'Adola, ils sont tous. Donc, quand ils sont morts, ils sont morts. Comment tu fais quand ils sont morts? Kassoudin, tu sais que le président de Côte d'Ivoire. Banabarato yere, a manqué un bi. Alibiala, Kenya Diama. Kassoudé, il ne peut pas devenir président. Il ne peut même pas poser candidature là-bas. Il ne peut même pas être présent sur la liste électorale. Parce qu'il n'est pas casier vide comme moi. Même moi, mais il peut devenir candidat là-bas. Lui, il ne peut pas devenir. Si ça vous fait mal, là. J'étais là où ça vous fait mal. Vous pendez. Quand vous êtes à des sacrifices ambulants, sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Ceux qui disent que s'il n'est pas celui-là, Abiba même là, elle va commencer à se sacrifier d'abord. Parce que je sais qu'elle a commencé à chercher ses vaudous là pour commencer son sacrifice. Elle-même, elle n'a qu'à se sacrifier. Parce que le nom là, je ne sais pas, elle, sa puissance là où c'est quitté. Mais c'est chez nous en Côte d'Ivoire là. Oh, la puissance là, on te délivre. Voilà. N'importe quoi. Nous, on parle. Vous parlez. Ado parle. Les gars parlent. Yalla. Quelqu'un qui était à l'hôtel de golf, il vous a délocalisé. C'est maintenant même là sur le terrain là, où ses racines ont bien poussé. Où les gens sont venus investir. Vous allez vous lever pour dire vous allez nous perturber. Yalla. Non. Portez bien vos croix. Hein. Vos croix là. Mettez ça bien sur vos têtes et puis commencez à délivrer vos.
Non. Eh, Côte d'Ivoire, mais d'où? Côte d'Ivoire, là. Si tu n'es pas Ivoirien, il faut être Ivoirien. Parce que c'est à Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de comédiens. Bonjour, 2023, là. Ça existe même dans la politique. Bonjour 2023, là. Ça existe au PPACI. Que des comédiens. Allez-y. On va préparer pour 2024. 2025, vous allez passer à Bonjour 2025. C'est pas élection en Côte d'Ivoire. N'importe quoi. En te dernier fait, bonne fête, maman. Merci à tout le monde. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Trop de paroles tuent la parole. On va se laisser là. Et dit, les jeunes, vous, écoutez la dernière vidéo. Quand Charles Bien-Boudet, le traite, était en prison, avait repas la nation. Pendant que lui, ses enfants ne partaient pas à l'école, sa femme ne travaillait pas. On les avait isolés. La soeur de Gbagbo Laurent, son fils, était ambassadeur. Il est toujours ambassadeur, même si je ne me trompe pas. Mm-hmm, ambassadeur sous la gouvernance de Ouattara. Mm-hmm. Les menteurs, là. Le Michel petit gars du là, le petit gars du là, ils vont vous laisser. Parce que vous ne voyez pas très, quand vous n'entendez pas, c'est pour vous là qui est toujours bon. Venez me frapper. Michel Gbagbo, on est resté ici. Il est devenu député. Il veut redevenir député encore. On est non, là, maire devant encore. Vous tous. Maire aussi. Ouattara encore au pouvoir. C'est le même Ouattara de mauvais là qui est encore au pouvoir. Ah, il est là. De... C'est Gbagbo qui est au pouvoir. Et puis Michel Gbagbo veut arrêter son. Ah, il veut devenir maire même. Mm-hmm. Son député, là. Mm-hmm. C'est vous avez le sacrifice. Bon, quand il a cru qu'avec des traites là, c'est fini. Que tout le monde est clair dessus que Abana. Attends, ça est là. Ça y est, intéressant. Ça y est dedans encore. On est dedans encore. Dieu fait grâce. Pendant que le trait de Charles Bleu-Boudet, il n'a aucun poste avec Ouattara. Il n'a aucune indemnisation avec Ouattara. Le trait, hein? Il n'a aucun, c'est-à-dire qu'il n'a aucun de ses partisans qui mange avec Ouattara. Mais vous qui n'êtes pas trait, vous pour vous qu'on doit toujours se sacrifier là. On est de l'eau rouillon actuellement, les malades. Amadia, bon, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais bon, voilà. Et puis, de toute façon, à son âge, là, c'est ça. Quand tu as l'âge comme ça, là, dedans, tu as les petits bobos. Qui la soigne? C'est Ouattara qui la soigne. Christine Barouya. C'est lui qui la soigne. Pendant que Charles Bleu-Boudet est à pied de... pour sillonner toute la Côte d'Ivoire pour les remettre, c'est-à-dire pour recoller les morceaux. C'est-à-dire que nos petits gars Goula avant, à quoi de vous? Vous avez dit que, oh, ils ne sont pas bons, on ne va pas, on a laissé nos petits Aboula. Aboula, ils sont partis. On a cassé le cou de nos petits Ali, ils sont partis. Pendant qu'on était en train de se serrer, on était en train de se muscler, se coiffer. Michel Gbagbo est député. Ah, et puis ça ne chauffe pas, oh. Oui, maman, il faut m'envoyer après. Il est à Haïti. C'est... Vous avez entendu? Les Brahmas, là, vous les avez laissés. Les Djakaridja, là, vous les avez laissés. Maintenant, même Marie, il n'y en a pas beaucoup, là. Nos Djakaridja, là, ils ne vont pas vous prendre. Comme ils sont les étrangers, là, ils ne vont plus vous prendre. Nos Korotoum, là, ils ne vont plus prendre vos Luciens et puis vos trucs, là. Mm-hmm. Si on veut aller, si à faire des... Vous êtes de là-bas, là. Voici. À cause de tout ça, les Brahma, les Salifou, ils ne veulent plus vous prendre. Voici ça. Parce que quand ça chauffe, là, vous dites qu'ils n'ont qu'à tuer les parents. Vous dites ils ne sont pas d'ici. Des gens qui ont les enfants avec vous, des gens qui sont venus marier vos filles, les gens qui donne à manger à vos soeurs, vos filles, vos mamans. À cause des politiques. On veut plus, hein? Non, si on prend nos frères, là, venez les filles, là, jolies, jolies chez nous. Vous êtes en train d'hypothéquer vos vies. Michel Gbagbo mange avec le gouvernement. Vous êtes en train de vous muscler.
Damana Pika est en train de manger. Vous êtes en train de vous gonfler. Simone, Bédier, son fils, tous ceux-là, ils sont nourris, blanchis par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Sécurisés par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Soignés par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Parce que quand ils avaient laissé ce pays-là était moins 10. Aujourd'hui, là, le pays est moins, plus 50. C'est sur Alassane Ouattara, on voit ça. Parce que les gens, les investisseurs ont confiance en lui. La Banque mondiale a confiance en lui. Ça dépend de son passé. Vous jouez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que vous pensez que dans la politique ivoirienne, il faut jouer avec les aînés. Il faut jouer avec les gens. Vous jouez avec tout le monde. Vous ne respectez ni vos parents. Vous ne respectez ni les grandes personnes. Vous ne respectez ni vos sœurs. Ni vos entourages, vos connaissances, vos relations. Vous ne respectez personne. Comment vous allez avancer? Ça peut ça vous tourner comme tourbillon. Et puis nous, on vient, on vous dépasse. Voilà. Pas de place d'aîné, pas de place de président, pas de place de chef du village. Dès que vous voyez que vous pouvez gagner en temps, là, vous insultez. C'est pourquoi on va vous dépasser jusqu'à Côte d'Ivoire, on va charger sur nos têtes. Si vous ne faites pas attention là, tout Abidjan, Côte d'Ivoire là même, on va tout prendre pour aller déposer. Comme on dit, le Nord est pays d'étrangers. On va prendre pour aller déposer au Nord là-bas. Et puis, on va voir si vous pouvez aller prendre le Côte d'Ivoire là-bas. N'importe quoi. On est là, on veut avancer ensemble. Vous êtes là. Vous réveillez les morts pour aller voter. Vous réveillez les bébés pour aller voter. C'est chez vous, là, dans vos films. Là. On voit tout ça, là. Quand ça chauffe, là. Mort va aller voter. Ils vont manipuler. Ils vont truquer. Ils vont faire... Tous les étrangers vont venir voter des, mais ils vont venir nous arracher nos terres. On dirait que vous êtes au temps où l'informatique n'était pas encore née, au temps où les réseaux ne sont pas encore là. Tout ça là, est là maintenant là. Vous êtes encore dans vos gammes, le temps du passé. Vous êtes en fait des révolutions forcées où il y a révolution, où ils veulent faire révolution, où il n'y a pas révolution, ils veulent faire révolution. Ça a beau qu'ils jouent avec vous. Mais nous, on ne va pas jouer avec vous. Nous sommes là. On attend. On écoute. On vous observe. On vous surveille. Parce qu'on sait tellement que vous êtes dans votre plan madiabolique. Vous êtes en train de recruter les jeunes qui n'ont rien compris. Ces jeunes qui veulent mettre leur vie encore en parenthèse. Pendant que Michel Gbagbo mange avec le pouvoir. Pendant que même Kone Katina, là, qui transmet, on dirait, braiseur de porc, là. Lui, il a encore chose, comme on dit, aux finances là-bas. Il est assis à son poste dans son bureau. Damana Picas qui veut chercher sacrifice à lui-même là. Il a des subventions de l'État. Pierre Kipré là. Lui-même là, il mange aussi. Tout ce gond, il a eu, ils sont en train de manger. Odel Lourouignon, sa vieille peau fripée là. Elle-même là, elle est subventionnée quelque part là-bas. Si on avait fait quoi comme travail? Merci à tout le monde. On va se laisser là et puis on va se dire à un autre moment. Parce que c'est le dimanche. Il faut aller au moins se ressourcer pour demain. Donc, famille, prenez votre vie au sérieux. Prenez vos chances au sérieux. Ne laissez pas les gens nous déconcentrer. Ne laissez pas les gens nous démotiver. Ne laissez pas les gens jouer avec notre conscience. Nul n'est au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire. Si tu dois aller répondre à quelque chose, vas-y. C'est pas parce qu'il a régné, il a gouverné, puis il est au-dessus de la loi. Et personne ne viendra changer les données. Il doit aller répondre d'abord avant de venir s'inscrire. Et si son casier n'est pas vierge, il ne va pas s'inscrire. Il va pas être. Déjà, même, il n'a qu'à guérir. Parce que son anniversaire, on ne l'a pas vu. Donc, on prie Dieu qu'il guérisse. La vie coûte mieux
que toujours se tuer pour les hommes politiques. On veut donner nos voix, pas nos vies. Je compte sur vous. Il faut qu'on soit soudés, rassemblés, solidaires et puissants. Il faut se mettre ensemble car l'union fait la force. Mobilisation totale autour des élections qui viennent. Mobilisation force à nous. On est, comme on dit, imbattable sur ce terrain. Donc déjà, même on nous voit venir, on dit on va truquer. Parce qu'ils savent que quand on dit paix, on va. Quand on dit paix, tout le monde sort. Parce que sur Nankamala, nous sommes avec lui jusqu'au Koui. Ils savent très bien notre force de frappe. Quand on sort là, nul ne peut nous regarder dans les yeux, même sur le terrain. Merci à tout le monde. Et puis on va écouter le temps de Ado qui est arrivé là. Merci à Monsieur Arasdoko. Merci à Clément. Merci à Ado. Merci. Etanado est arrivé, la vie de dit que chaque chose a son temps, l'anime dit que chaque chose a son temps, Etanado est arrivé, Etanado est arrivé. Merci, Black Samouraï, mon grand frère, merci. Merci à toi et puis bon début de semaine à tout le monde. Bisous.